C'est un livre pas prémédité du tout. J'étais censée écrire un roman, tout le monde attendait un roman. Et puis ma mère est morte et ça a remis les pendules à zéro. Et donc je me suis embarquée avec elle, avec ce qu'elle avait laissé comme écrit, avec mes trous de mémoire, les photos, tout ça, pour essayer de je sais pas quoi d'ailleurs, parce que j'étais tellement dans les choux quand j'ai commencé. Mais la forme, c'est un peu comme une improvisation musicale, c'est-à-dire j'avais le fil, et tous les jours, je continuais, aller-retour, passé, présent, etc. Bon, évidemment, j'ai mis pas mal d'humour parce que c'est mon fond de commerce. Et il y a évidemment pas mal de chagrin aussi. C'est un livre... Mais c'est très vivant, m'a-t-on dit. C'est écrit un peu dans la colère et une sorte de réconciliation. Et voilà, le voyage a duré un peu plus d'un an.